Bonjour Florence. Bonjour Nadia. Je suis très, très, très heureuse de t'accueillir euh, pour cet épisode de, de podcast de Désencombre ta vie. C'est un épisode un peu particulier puisqu'il rentre dans le cadre du Podcaston, qui est euh, une semaine euh, dans laquelle les podcasts mettent en avant une association de leur choix. Et euh, bah, moi, j'ai choisi ton association. Donc, on va en parler, l'association Coup de pouce. Mmh. Alors, ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter, de nous dire qui tu es. Euh, moi, je suis euh, une mère de famille de quatre enfants euh, qui a beaucoup voyagé avec euh, son mari parce que pour des raisons professionnelles, etc. Et puis à un moment, euh, bah j'ai fait le catéchisme, j'en ai eu marre de faire euh, le catéchisme. Je me suis occupée de réunions de parents d'élèves. Je suis allée dans le sport. Et puis un jour, euh, j'ai eu envie de faire des choses pour des gens qui ont moins moins de choses. Mmh. Et, et j'ai un ami qui, qui m'a parlé d'une du, opération qu'il faisait, des associations, enfin d'opérations qu'il faisait en Afrique, au Togo. Et j'ai prêté l'oreille, on a commencé par euh, contribuer, puis après, quand il a voulu faire son association, eh ben, j'ai dit présent. Et voilà. Génial, et ça fait jamais... combien de temps Ça fait maintenant dix ans. Ça fait, on a commencé en 2014 et on est en 2024. On a pu écrire qu'on avait 10 ans, qu'on était très fiers. <laughs> Génial, c'est un beau projet, une association 10 euh, ans après. J'aime beaucoup euh, ce que tu dis. Euh, on parlait juste avant en antenne de la contribution. J'aime beaucoup ce que tu as dit qu'un jour tu t'es dit j'ai envie de contribuer pour ceux qui ont un peu moins. Mmh. Euh, Est-ce que moi c'est un sujet qui me touche et qui me parle énormément. Est-ce que tu as vécu ça euh, en te disant. Il faut que je le fasse. Est-ce que tu as eu un appel ou est-ce que c'est plutôt une culpabilité de te dire nous dans les pays euh, dans nos pays riches, on a vraiment trop donc on a une obligation de contribuer ou est-ce que c'était simple et léger pour toi euh, cette contribution Non, c'est vrai qu'on a toujours quand on a, on a la mauvaise conscience, on se dit mm. ouais mais non, en fait non. Okay. Et puis j'avais un oncle missionnaire euh, au Mali, donc l'Afrique j'en entends parler depuis que je suis petite. Euh, les masques, euh, les avocats qu'on envoyait à l'époque euh, où on n'en trouvait pas partout. Donc l'Afrique avait une petite résonance pour moi. Donc quand on m'a parlé ça, j'ai dit ça me, paraissait, ça me paraissait naturel et un peu facile puisqu'on me le présentait sur un plateau en plus. J'avais rien à faire, j'avais juste dire oui je suis là, on y va. Génial. Voilà. Bon rien à faire avec des tueurs. C'est un euphémisme quand même. Hein. Alors, parle-nous de l'association. Donc, ça s'appelle Coup de pouce. Qu'est-ce que vous faites euh, que Quelles sont les actions de cette, de cette association Coup de pouce En fait, on essaie de... C'est relatif à l'éducation. On essaye de... De donner accès à une éducation de qualité à une majorité de, de personnes. Bon, On ne peut pas sauver le monde, on s'est concentré sur le nord du Togo, mmh. par hasard, parce que c'est un ami qui nous a donné des connexions, on est allé là-bas. Le Togo est un pays de langue française avec lequel on a des bonnes relations. On, peut, on pouvait, enfin, on peut y aller facilement. Maintenant, avec le terrorisme, c'est un peu plus compliqué, mais euh, donc la langue était commune et, 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 et voilà. Et. Il y a des endroits assez pauvres où, où les enfants n'ont pas, euh, ne peuvent pas aller à l'école. Et c'est un pays aussi relativement démocratique parce qu'il mmh. y a un président, c'est pas une dictature. Il y a, il y a une politique de l'éducation. D'ailleurs, on suit l'éducation nationale togolaise. Mmh. Il y a son système. Très calqué sur la France avec les inconvénients de la lourdeur administrative, mais bon, donc euh, on, on s'y repère, euh, voilà. Donc c'était l'idée, c'était d'aider les enfants à aller à l'école parce que on se rend bien compte que si on ne sait pas lire et écrire, euh, on n'a aucune chance dans la vie pour leur donner un avenir. C'est très ambitieux, mais comme on était petit on pouvait faire très rapidement les choses. C'est action-réaction, voilà. Donc c'était assez facile, enfin, entre guillemets facile, en ayant des des, des, on savait où aller sur le terrain, dans quel village. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Okay. Moi, ce que j'aime ouais. dans ton association, donc déjà, je vais préciser que ça fait plusieurs années que je te connais. Euh, ouais. Moi, ce que j'aime dans votre association, déjà, je vais dire pourquoi moi cette association, tiens, c'est peut-être intéressant. Moi, quand j'avais 17 ans, j'ai fait une mission humanitaire au Bénin. Euh, je suis partie trois semaines avec une association pour construire un centre de santé dans ah un oui, petit est village. Oui, c'est pas loin, le Bénin, c'est juste au-dessous au ouais. du Togo. Donc pour ceux qui ne savent pas, on est en Afrique occidentale, donc à l'ouest de l'Afrique. Et en fait, euh, moi aussi, j'avais déjà beaucoup voyagé avec mon papa dans le monde entier et j'ai eu cette même conscience que toi de me dire, purée, euh, je me rappelle quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, purée, tu vois, je viens de prendre une douche et on avait de l'eau chaude, de l'eau froide et j'ai mis le mitigeur au milieu et ça a fait de l'eau tiède. Et moi, pendant trois semaines, je m'étais promenée à aller au puits pour chercher de l'eau et une fois sur deux, quand j'étais rentrée du puits, j'avais renversé la moitié de l'eau sur moi parce que je ne portais pas bien mon seau et euh, j'avais eu conscience justement de la difficulté d'accès à l'école, aux toilettes à l'époque. Puisqu'on n'avait pas de toilette quand on était allé là-bas. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ton association, c'est que j'ai fait le pont entre mon expérience quand j'avais 17 ans et ce que vous faites. C'est-à-dire que tu l'as dit très humblement, mais votre mission pour aider les enfants à aller à l'école, elle est très vaste. Parce que vous avez des missions pour aider à avoir de l'eau. Vous avez des missions pour construire des cantines, pour que les enfants soient bien nourris le midi et puissent rester à l'école la journée complète. Vous avez une mission qui me plaît énormément, Savanana, qui est donner l'accès oui. aux jeunes filles. Ah oui, Savanana, ça me touche par particulièrement. J'ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai. Euh, en dessous, pour euh, ceux qui écoutent le podcast, vous aurez la référence euh, d'une vidéo mmh. en dessous. Euh, Savanana, c'est une mission pour aider les jeunes filles à aller à l'école, même quand elles ont leurs règles. Donc, euh, mmh. on pousse les aides à avoir des protections hygiéniques lavables. Donc, en fait, moi, c'est ça que j'aime dans votre association. Je trouve que tu as été très humble quand tu as expliqué. C'est que vous essayez d'attaquer sur plusieurs domaines différents mmh. pour qu'au final, ce soit la scolarité qui soit améliorée. Mais ça, mais ça agit par plein de choses. C'est euh, très pratique. C'est très pratique. Ça. C'est très pratique. Tu peux nous parler d'une mission, par exemple, qui a été faite récemment, ou la plus grande ah, que vous ayez faite pour qu'on ait un peu le, le détail pas de l'objet la la Celle exemple, qui a le plus de sens euh, pour toi, peut-être euh, Ce n'est pas forcément celle qui a le plus de sens, mais, mais comme tu l'as dit, l'eau, c'est super important là-bas. Et, euh, et on s'en rend compte quand on va là-bas. Et, et surtout, euh, on se rend compte que ce sont les femmes et les filles hein, qui vont chercher l'eau. Et c'est indispensable, et c'est pas le boulot des garçons, c'est comme ça. Oui. C'est les filles qui vont chercher l'eau, il y a la corvée de l'eau, c'est absolument indispensable, parce qu'il en faut pour la cuisine, un peu pour l'hygiène, etc. Donc c'est tous les matins, et donc les, les petites filles, elles font ça d'abord, et après elles vont à l'école. Donc ça peut être une source d'absentéisme. Donc par exemple, on a financé un forage. Alors, normalement on fait pas de forage, parce que c'est trop cher, c'est des budgets énormes, et qu'on ne pouvait pas, mais il se trouve qu'il y avait de l'eau, et, et on a mais c'est bête, mais on a fait un, un forage. Ça a l'air de rien, mon lieu, qui ait qu'un robinet. Ben mmh. On a mis six robinets. Parce que les filles, quelquefois, elles font deux heures la queue pour aller au ah. point. De... Il, faut, il faut attendre. Donc, il faut attendre pour remplir euh, son truc. Et quelquefois, c'est loin et ça prend du temps. Donc là, on a mis ça. On a cimenté sous là où il y avait les robinets pour que ça soit propre pour des questions d'hygiène on n'a pas fait un... on a essayé de faire un bâtiment au lieu de vouloir faire quatre forages on en a fait qu'un qui a coûté plus cher mais qui va être plus pérenne mmh. la base elle est en, en brique au lieu que ça soit quatre trucs en métal et que les animaux vont se frotter là-dessus et que ça se déglingue que ça tombe et que les enfants grimpent dedans et qui se cassent la figure etc donc on a essayé de faire quelque chose mais on n'a pas trouvé ça tout seul hein, parce qu'on a des amis togolais là-bas et mmh. eux ils sont on a deux personnes qui nous aident donc quelqu'un qui était prof d'histoire et de géographie qui est notre préfet des études on l'appelle le préfet des études etc et l'autre qui est un qui est, qui est entrepreneur et qui qui gère et, et c'est eux qui ont le bon sens quelquefois en leur mmh des trucs qui me disent mais, mais ça va pas ton truc ça va, ça va pas marcher ton, ton idée de yovo parce que yovo c'est les blancs mais ouais, c'est ouais. pas péjoratif c'est gentil etc et, et donc euh, euh, ça c'était une idée très pratique qui que lui a mis en place et qu'on a développé mais total il y a des petites filles qui peuvent aller chercher l'eau à cet endroit là elles font moins la queue c'est plus pratique et, et voilà c'est des ça c'est un petit détail parce que je pense à ça parce que c'est les filles qui s'occupent ah, de l'eau pas un détail et franchement, est, est une un nana en Afrique ouais. et celle qui a pas qu'en Afrique, hein, Florence. Sûr... Oui, oui, bien sûr, pas qu'en Afrique, mais là, je l'ai plus touchée du doigt. La, la petite fille qui arrive à l'éducation supérieure et qui euh qui en plus c'est un exemple. Après, faut vraiment, ces défis filles qui, qui ont la niaque hein, Qui euh, faut vraiment le faire. Effectivement, il n'y a pas que là, mais là, on l'a vu. Et on a vu vraiment le poids du patriarcat, parce qu'il y a des femmes qui peuvent pas aller. Mais je m'égare là, qui peuvent Non, pas non, être... tu ne t'égares pas du tout. Moi, c'est un sujet... Iras. Regarde, j'ai les larmes qui montent, Florence, <laughs> tu ne t'égares pas du tout. Moi, la scolarisation des filles et l'aide à la scolarisation des filles, c'est un sujet qui m'est très, très cher et qui m'émeut vraiment. Donc, tu ne t'égares pas. Je trouve ça important. Il y a plein de gens qui n'ont pas conscience que... Euh, s'il n'y a pas de toilette à l'école, j'en ai déjà parlé précédemment dans une vidéo, s'il n'y a pas de toilette à l'école, il y a beaucoup de pays en Afrique, notamment en Inde, où les filles, à partir du moment où elles ont leurs règles, elles n'iront plus à l'école. C'est-à-dire oui. qu'elles seront privées de scolarité et d'avenir et d'éducation sexuelle et d'éducation à la maternité, etc., parce qu'elles n'iront plus à l'école à cause de ça. Donc, et et, et tu as raison, dans... quelquefois, c'est des, des détails qu'on nous a fait remarquer. Tu fais des latrines, ils appellent ça des latrines. Oui. À part garçon-fille séparés mais il y a un détail mais tu mets juste un crochet dans la porte pour que la petite elle puisse accrocher son pagne. Mm. c'est rien mais quand elle doit se changer ou mm. si elle a ses règles etc ben c'est des détails euh, auxquels euh, il faut penser et que ça soit bien séparé de, des garçons et qu ait... parce que le petit garçon il peut toujours faire pipi euh, comme ça enfin ouais. bon voilà pour plein de petites choses comme ça mais ça c'est nos amis togolais qui nous ont fait euh, réaliser euh, ça Ouais, ce qui est bien, c'est que vous, êtes, vous avez une équipe sur place. Je sais que même pour le projet Savanana, vous avez mis en place une équipe, vous avez trouvé des couturières sur place. Pour les projets, pour les écoles, pour l'eau, c'est, vous avez toujours une équipe sur place qui s'occupe de gérer les projets. Ce sont des gens de confiance. Ah euh... oui, oui, il y avait que... si le Togo était géré par des gens comme ça, mais bon Dieu, qu'est-ce que ça marcherait bien ah, C'est super parce <laughs> qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont peur des associations. J'en ai parlé la semaine dernière, il y a plein de gens qui disent bah, quand on donne de l'argent à des associations, on ne sait jamais où ça va, les gens s'en mettent plein les poches. Donc vous, l'avantage, c'est que c'est une petite structure. Vous savez exactement où va l'argent des donateurs. Donc s'il y a des gens Merci. qui veulent qui veulent donner, il y aura le lien euh, sous oui. la vidéo et sous le podcast pour euh, bah, financer les actions de coups de pouce on va en parler il y a une action en ce moment un projet qui est très intéressant aussi donc vous comme vous êtes une petite structure vous savez où va l'argent vous savez oui. exactement gérer vos projets vous connaissez Parfait. les gens sur place voilà donc ce n'est pas quelque chose qui non une non il y a 100% on peut l'assurer oui. il y a 100% des dons qui vont à l'association, sauf si c'est un paiement en ligne parce qu'il y a les frais oui. de plateforme, c'est 8 un truc comme ça. Mais sinon, tout le reste, c'est assuré par euh, notre euh, la cotisation des pousseurs, ce qu'on appelle les pousseurs des membres de l'association. On paye euh, un pouillème, euh, voilà, et ça assure l'hébergement du site, des trucs comme okay. ça. Sinon, tout le reste, nos voyages, c'est payé par notre cagnotte euh, personnelle. Et, et d'ailleurs... Les gens le savent maintenant parce qu'on commence à être un petit peu connus euh, à coup de pouce. Ils savent que ce n'est pas la peine de nous demander euh, une petite enveloppe ou des trucs comme ça. Ça ne marche pas. Parce qu'on est, on est trop conscient. On connaît beaucoup de nos donateurs. On se dit que s'il nous a donné 100 euros, eh ben, on se sent responsable. Il n'est pas question qu'on en gaspille. Euh, on fait vachement attention à ça parce que bon, c'est important. Quoi. Voilà. voilà oui. Et donc, si on veut faire partie des pousseurs, c'est-à-dire si on veut avoir euh, être membre de coup de pouce et donner chaque année, tu peux nous dire combien c'est la cotisation ou comment ça fonctionne? C'est ridicule, c'est 30 euros, un truc comme okay. ça, 30, et 40 euros. Et, et je, alors, je ne suis pas bonne, c'est pas moi le directeur financier. Ouais, c'est pas grave. Mais on voit tout sur avec, le site. Mais... Grosso modo, c'est pas marqué sur le site parce que mais il suffit de m'envoyer un mail et puis voilà. Je pourrais mettre ton mail peut-être en dessous, Florence, et je mettrai le site de l'association. Florence, coup de pouce, attends, Florence, je le marquerai en dessous. org. Oui, je l'ai ton mail, t'embête même pas, je le mettrai en dessous et de toute façon, je mettrai le site aussi de l'association. Sachez qu'on peut faire des dons en ligne sur le site de l'association, et il y aura aussi. Le mail de Florence, si vous voulez euh, peut-être devenir un pousseur, bah, moi je vais devenir une pousseuse. Florence, super, je ne connaissais super. pas ce, ce terme. Mais et en fait, c'est parce qu'on veut pouvoir dire que 100% des dons mmh. vont au projet. On ne peut super. pas dire ça si on dépense 200 euros par an pour, euh, je ne sais plus combien coûte l'hébergement du site, etc. Ouais. Et puis, reste le graphisme ben j'ai une filleule que j'exploite de façon éhontée qui <laughs> me fait des trucs qui On me fait, fait des tout ça qui fait des trucs comme ça et voilà <laughs> moi j'ai hâte que mes enfants grandissent Florence pour pouvoir les exploiter je ne le peux pas encore pour le moment c'est pour passer l'aspirateur à la maison mais bon je trouve que ouais. c'est normal mais moi aussi j'ai hâte de ça bon bah ben, ça c'est chouette Florence est-ce que tu peux nous parler du projet qui est en cours j'ai reçu une newsletter euh, sur un très beau projet qui m'a touché euh, mis en place par coup de pouce tu peux nous en parler alors, il s'agit de... Nous avons une dizaine de, visa, de villages que, qui sont les villages partenaires. Et dans un village parc, il n'y avait pas de maternelle. On a mmh. construit une, une école primaire, euh, je crois que c'est en 2021, euh, avec euh, trois bâtiments, une jolie école, comme notre bâtisseur sait les faire. Et il n'y avait pas de maternelle. La maternelle, c'était un apatame. Un apatame, c'est un abri euh, sommaire. Euh, et quand il y a la saison des pluies, c'est démoli. Enfin, quand tu vois ça, tu te dis que les petits, ils peuvent pas pas être là-dedans. Et l'avantage d'avoir une maternelle, comme tu le sais parce que tu as des petits-enfants, c'est que les enfants vont à l'école, prennent l'habitude d'aller à l'école, mmh. on leur donne quelques habitudes d'hygiène, etc. Puis ça, ça devient une sorte de réflexe. Mmh. Et, et surtout, la maman, pendant qu'ils sont à la maternelle, la maman dégage du temps libre et elle peut éventuellement faire ce qu'on appelle les AGR, les activités génératrices de, re, de, de revenus et, et voilà avoir un peu de temps pour faire ça et, et surtout si on arrive à part qu'il n'y en a pas encore à faire une cantine mmh. donc c'est encore mieux parce qu'il y a encore plus d'enfants parce que les parents savent que les enfants ont un repas équilibré par jour et, et ils l'envoient à l'école aussi pour ça et nous on sait que les enfants sont bien nourris parce que c'est affreux à dire mais les premières années où nous sommes allés au Togo on s'est pas rendu compte qu'il y avait de la malnutrition on s'est mmh. pas rendu compte mais parce que bah, c'est horrible, mais les enfants, ils mouraient, on ne les voyait pas, quoi. on ne savait pas ça. Après, euh, tu sais, quand tu arrives, tu ne comprends pas tout. Après, on a réalisé que ce problème-là, bah, c'était important. Donc, euh, et on a créé euh, des cuisines, des cantines. Et donc là, le projet en cours, c'est de construire une maternelle. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas délirant comme coût, c'est de l'ordre de 11 000 euros. Avec ça, on a une classe de maternelle bien faite, avec des claustrats pour que les enfants en respirent, qu'ils soient à l'abri, des animaux et de la, du soleil ou de la pluie. C'est un peu de matériel, un, un tableau pour, pour l'aide la, maternelle qui est là, etc. Voilà. Okay. Et quelques tabourets et quelques matériels. On avait même apporté un carton de Duplo. Ah. pour que les enfants aient des petits jouets éducatifs quoi mais bon ça on peut le faire à vrai dire c'était aussi les duplos de mes enfants puis j'avais fait la manche auprès d'amis ben et oui. euh, puis, des beaux euh, c'était sympa pour les petits quoi ouais, ça le jour où où vous pouvez y retourner où vous y retournerez c'est vrai que c'est sympa après c'est difficile d'envoyer en avion mais non, on, voyait, on peut pas. Bien y ouais, y ait une grande solidarité, on a ah, des gens qui des choses par container, mais ouais. c'est quand même un peu compliqué. Ouais. Là, les duplos, j'étais avec les cartons. quant à la ça. douane, on m'a dit c'est quoi Je dis mais c'est du duplo pour des enfants. Puis me fait un grand sourire les douaniers, ils sont sympas. Et puis c'est ouais. passé. On m'a pas embêté avec ça. Voilà. Donc, ce projet de maternelle, c'est un projet qui, est, qui coûte 11 mille euros. Euh, effectivement, comme tu dis, c'est pas excessif. On se dit euh, si on est nombreux à participer, c'est pas excessif. Moi, j'ai une question sur la cantine qui m'a qui me vient en tête euh, les repas sont financés ou c'est les parents qui payent ou qui paye les repas alors maintenant il y a une organisation togolaise qui s'appelle Anadeb euh, qui est euh, c'est compliqué les les trucs euh, togolais et euh, j'ai oublié le soutien aux populations enfin bref c'est gouvernemental c'est gouvernemental. Ouais. Et il faut faire un dossier, évidemment. Il faut qu'on ait une école, euh, une école reconnue comme les nôtres parce qu'on construit euh, d'après les plans, les modèles, on reste bien, on respecte bien ce que nous demande l'éducation nationale. Ouais. Et donc, euh, dans ces cas-là, l'ANADEB euh, donne un petit subside, des mmh. subsides au village. Mais il faut avoir le bâtiment, il faut oui. construire le bâtiment de cantine parce que c'est des mamans qui viennent et qui viennent faire la cuisine. Donc, il faut quand même qu'elles aient un minimum d'un bâtiment parce qu'il va y avoir des casseroles, des trucs qu'il faudra mettre sous clé aussi. Bah, pour finir de répondre à ta question, c'est un peu long. Non, non, euh, non, c'est pas parents... long. Florence, toutes les explications que tu donnes sont très intéressantes et... parce qu'on n'a aucune idée. Donc, les détails, c'est intéressant. Et, et les parents cotisent une somme minimum okay. parce qu'on ne veut pas en faire des assistés. Et comme dit notre ami euh, Didier, notre ami Togolais, bah, c'est leurs enfants, ils doivent payer pour euh, leur nourriture. On les aide Okay. Euh, on peut acheter le supplément, les petits poissons parce que ça fait des protéines, des machins comme ça. Mais le, les parents doivent comprendre qu'ils doivent payer quelque chose. On n'en fait pas des assistés. Ok, ça c'est bien. Okay. Donc c'est pour ça que on, on a été au début. Maintenant, c'est les villages qui viennent vers nous, mais on choisissait nos villages avec soin mm -hmm. pour prendre un village où il y avait une. On voyait une mobilisation villageoise où il y avait des, des, des bons comités et mmh. des gens volontaires, quelquefois, mais on rencontre des gens, euh, les, des, ce qu'ils appellent le, les comités, les responsables des comités, mais des gens absolument dingues, super mmh. efficaces, motivés, etc. Et quand on a ces gens-là, ben après, ils savent mobiliser la population, leur expliquer et leur dire Eh ben, il faut vous bouger un peu ils sont beaucoup plus durs avec eux que nous. Mmh. Vous allez ouais. bouger vous parce qu'il faut qu'ils aillent chercher l'eau, qu'ils qu construisent. Parce que ce bâtiment de maternelle, mm -hmm. certes, on va payer pour certains, certaines choses. Les, la toile la, la tôle acheter la latérite etc mais ce sont les villageois eux-mêmes qui vont construire génial. et c'est des, des, des maçons qui seront pris dans le village et qui vont euh, faire la main-d'œuvre euh, la main-d'œuvre pas très qualifiée quoi parce qu'on les fait en briques de terre compressées avec de la latérite j'ai fait ça à mes 17 ans pendant trois semaines. Ben voilà, c'est des muscles. Tu super expliquer ce parce que c'est C'est de, de, de la latérite avec un petit peu de ciment et de l'eau et c'est compressé euh, de façon à ce que ça se solidifie. Et c'est beaucoup plus euh, confortable quand le bâtiment est fait comme ça qu'un bâtiment en parpaing. Mmh. Moi, j'ai notre premier village. Il euh, y avait eu un autre sponsor, si je puis dire. Il y avait eu deux sponsors. Il y avait deux bâtiments de trois classes. Et quand tu passais de l'un à l'autre, le premier était en parpaing le deuxième était en brique avec un, un, une aération dans le toit, une façon de construire avec une, une différence de hauteur des murs hein, dans, dans mmh. le bâtiment, ce qui favorisait les courants d'air. Mmh. Mais c'est dingue le, le, la différence de confort. Euh, ouais. Quand tu vas avec des, des, ces bâtiments, en, en plus ils sont beaux, ces bâtiments en briques, il fait entre guillemets plus frais, sachant que la fraîcheur là-bas est toute relative, donc c'est beaucoup plus confortable. Et surtout, ça nous économise une somme folle pour la construction, oui. parce que la latérite, c'est un peu moins cher de, de l'effet, on n'a pas acheté des parpaings, et la main d'œuvre, c'est le villageois. Et en plus, l'autre intérêt qui est absolument fondamental, c'est que les villageois s'approprient leurs bâtiments. Mm. C'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui vont le protéger. On peut ça. imaginer. Si, voilà. Et donc, ils, ils bossent pour ça. Parce qu'en en fait, au début, notre moto, c'était tous ensemble. On était, on était très... On y va, aller on va les aider. Et puis, et puis, la nature humaine étant ce qu'elle fait, quand on te donne un truc, tu n'as pas d'effort à faire pour ça, ben, tu le prends mmh. et, puis, et puis voilà. Et maintenant, notre devise, ça serait plutôt donnant-donnant donne, mais vous participez, vous donnez. Et, et ça marche bien, je veux dire, c'est efficace. Donc, ouais. en fait, moi, ce que je comprends aussi, c'est que ça veut dire qu'il y a d'autres villages qui ont ce même besoin d'une école maternelle, et qu'après c'est un, un projet qui serait démultipliable sur d'autres euh, sites Non, c'est le non dernier de notre ensemble de dix villages, c'est le ah. dernier qui n'avait pas de maternelle. Mais, c'est pas pour ça que c'est terminé, parce qu'à Djamoni, par exemple, euh, quand on a construit euh, les écoles primaires il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus il y a eu de la demande pour le primaire on a construit une maternelle et ben ça suffisait pas parce que dès qu'on construit des bâtiments il y a, beaucoup, il y a affluence, les ah, gens les viennent etc donc on a dû construire pour la première fois une double maternelle avec deux classes mais bon, après, il ne faut pas que si c'est un petit village, on ne va pas les inventer, les enfants. Mais ce non. que je veux dire, c'est que ça fait venir. C'est intéressant. Les enfants, parce que les, les, les parents ne sont pas fous. On, on met en place une sorte de mécanisme et les enfants ont un peu d'instruction. Euh, ils ont à manger. Ils sont euh, gardés. Voilà, ils sont gardés. Oh, voilà. là, elle est un peu, est un peu tranquille. Euh, donc, euh, c'est un cercle plutôt vertueux et qui qui marche pas trop mal pour l'instant. <laughs> oh, C'est génial. C'est génial. Moi je trouve ça super. Ça montre vraiment comment des actions, euh, comme tu as dit au début, qui peuvent paraître anodines, mais qui ne le sont pas du tout, mais en tout cas des actions sur plein d'axes et plein d'angles différents peuvent amener à, à une même finalité qui est la scolarisation des enfants et l'habitude oui. que... de ça. Parce que c'est en étant là-bas au fur et à mesure, puis notre ami Augustin, nous fait, notre préfet des études, nous, nous, nous remonte aussi plein d'informations. Euh, et on ça a l'air bête, mais on s'est rendu compte que bon, c'est le même problème euh, qu'en France. Il hein, y a des enfants, parce qu'on a, on a un collège aussi, qui passaient, euh, où il y a donc le CM2. Euh, Mmh. Euh, le CM2 euh, là-bas ils l'appellent enfin bref euh, on passe un, un une sorte d'examen pour mmh. aller en sixième ça oui. s'appelle le CEPD et eh ben on leur donnait Tu as des enfants qui arrivaient en sixième qui ne savaient pas lire mais en France aussi, il paraît que ça arrive. Hein, oui, donc... oui, en France aussi, il y en a beaucoup. Donc, et on s'est aperçu qu'il y avait des maîtres plus ou moins qui n'étaient pas toujours très très consciencieux, on va dire, ou euh, on ne sait pas trop hein, l'influence parce que c'est facile. On est loin. Mmh. Toujours est-il que les enfants n'avaient pas le niveau. Et, okay. et on s'est aperçu qu'en étant beaucoup plus strict sur les avec les professeurs en faisant des, des, aussi des, des examens les, les professeurs ils ont eu des formations tu vois en faisant un suivi de qualité de l'enseignement parce que notre but ce n'est pas de faire un bâtiment et de les coller à l'école on veut avoir une école de, de qualité de qualité ouais. et on a eu le résultat parce qu'on a nos, nos pourcentages de réussite aux examens euh, qui ont augmenté donc euh, et on, a, on a vraiment c'est vraiment pour faire une éducation de, de, de qualité donc euh, voilà et, et, et en fait il suffit il suffit de pas grand chose après c'est une sorte d'émulation donc euh, mmh. les profs après de temps en temps on donne une prime aux profs on essaye de les, euh, de les motiver et puis, et puis tu rencontres aussi des directeurs d'école pareil euh, qui sont fabuleux comme en france des, des gens ouais. qui d'enseigner qui sont contents et, et c'est sûr que euh, euh, il y a quelques mois Augustin il a déjà croisé ça lui arrivait de retrouver des gens maintenant voilà qui... ah, j'ai fait de... euh, je viens du collège j'ai fait euh, je suis en première je sais pas quoi Wow bah, oh, c'est génial ça, ça ah, ouais. donne la baraka un peu enfin, ouais, voilà. bah, en disant, bah, vous avez fait des super belles choses en disant, bah, je suis très heureuse Florence de ce que tu as partagé avec nous c'est vraiment très intéressant et je trouve qu'on ne met pas assez en avant ces petites associations parce que les grandes elles ont pignon sur rue parce qu'elles bah, dépensent des sommes colossales pour le marketing et pour la visibilité ce que ne peuvent pas faire des petites structures comme la vôtre non. et pourtant vous bossez et, voilà, bon, et on, vous a toi, on a des gens comme toi qui. Bah, nous... ouais, c'est modeste, ma etc. contribution est modeste bah, mais oui on regarde être... comme ce Xavier ce marathonien il, il cherchait une cause c'est donc cet institut de maternelle qui voulait faire quelque chose et qui a cherché sur le net et qui a trouvé coup de pouce on était trop fiers, on nous a trouvé comme ça et puis donc il a décidé de courir de faire le marathon de Paris le 7 avril et, et ça va bien contribuer il a mis s'est mis un objectif de 3000 euros ça paraît rien mais c'est c'est quand même c'est ben, le quart de le quart des fonds pour construire la maternelle ouais. et en plus la partager avec son école etc et on va sûrement faire un échange on est en train de mettre au point les petits ah, euh, ça cartes, serait euh, chouette entre ces petits un truc comme ça qui vont ouais. pouvoir lui, lui lui envoyer enfin lui faire parvenir eux ces petits élèves vont faire des, ouais. des dessins sur les animaux de la ferme un truc comme ça enfin bon, on essaye de faire une, un ouais. petit échange ah, voilà. c'est génial. Moi, j'adore ces projets-là et quand ça touche aux enfants, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Florence, merci beaucoup euh, d'avoir participé à ce podcast. Et c'est un podcast filmé, donc on trouve aussi en vidéo. Donc, sous la vidéo, vous aurez le mail de Florence, pour ceux qui sont intéressés pour la contacter, le site internet de l'association Coup de pouce. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi m'écrire, contact vous aurez tout sous la vidéo. On espère que le contenu vous a plu et on reste en contact pour ce projet. Je vous donnerai des informations sur ce projet de l'école maternelle et de où en est la cagnotte. Donc, euh, si vous souhaitez participer, bah, toute participation est la bienvenue. Même 5 euros, euh, c'est ah oui, toujours oui. ça. Voilà, il n'y a pas de minimum. Euh... Si vous voulez faire participer aussi votre entreprise pour donner des plus grosses sommes de 500 euros, 1000 euros, 2000 ou 3000 euros, il y a des avantages fiscaux pour les entreprises quand on ah, donne oui, à des associations. Et pour et tout le monde. Ah, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce qu'il y a une réduction fiscale avec, euh, pour les dons euh, 66%. Votre... 66%, 66%. Voilà. Donc vous donnez 100 euros, ça vous coûte 33, 33 euros. Eh, on donne 100 euros, ça coûte 33 euros. Donc si on avait l'intention de donner 33 euros, bah, autant donner 100 euros parce qu'on les récupérera, les 66 à la fin. De voilà. sur les impôts. Exactement. Donc, euh, on compte sur vous si le projet vous a intéressé. Florence, merci beaucoup pour ton implication et pour tout ce que tu fais avec l'équipe au et avec l'équipe en France. Ben merci, Nadia. Merci avec à toi. un grand temps. plaisir. Et bien, je t'embrasse. À bientôt. Au revoir, Nadia. Au revoir. Au revoir.